slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour vous faire part d'une activité qui est vraiment, je dirais, what the fuck, étant donné que sur cette activité, je vous propose d'avoir une activité où il y aura 100 barils d'essence sur cette activité. Alors il y en a bel et bien 100. Je vais pas les compter en vidéo. De toute manière, vous allez voir que il n'y en a pas 50 comme on pourrait le créer sur une activité originale. Il n'y en a pas 50. De toute manière, vous le verrez bien quand on sera tout en haut. Voilà, je vous mettrai le lien de cette activité sur Xbox 360 dans la description. Pour tout ce qui est PS3, je cherche toujours une activité qui serait similaire. Mais sachez que c'est pas vraiment facile de trouver des activités de ce genre pour PS3, étant donné que les modeurs se font rares sur PS3. Mais il y en a, mais les modeurs se préoccupent de réaliser d'autres activités. Donc je vous mettrai quand même une activité à peu près what the fuck dans la description, pour pas que vous vous sentiez seul non plus. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour cette activité si j'arrive à en trouver une. Mais pour le moment, il va falloir attendre. J'aime vraiment pas vous proposer des activités que sur Xbox ou même que sur PS3, parce que ça arrivera, vous inquiétez pas. Je veux pas favoriser ma plateforme, mais c'est relativement chiant et moi ça m'énerve légèrement. Mais bon, c'est pas grave, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à me rejoindre, je vous ai mis tous les liens dans la description. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur ma chaîne secondaire qui sera en description aussi. Donc qui est une chaîne 100% Let's Play. Donc sur, vous le voyez bel et bien sur là où je suis tout en bas, il y a énormément de barils d'essence. Donc on les voit pas tous ici, je crois. Donc il y en a qui sont cachés derrière les arbres. Et en fait le but de cet affrontement, c'est de réaliser un affrontement avec vos amis dans cette activité. Et en fait le truc, c'est que les barils explosent. Donc quand vous allez tuer un ennemi, si il fait pas attention et qu'il tire sur un baril, et bien écoutez, le baril va exploser. Et c'est à ce moment là que je pense que ce sera vraiment super drôle. Alors après vous pouvez très bien faire comme moi, c'est à dire vous placer en haut avec Venger, comme j'ai fait avec Venger, et vous placez tout en haut et vous explosez tous les barils. Alors si vous voulez savoir les barils qui explosent, les barils les plus clairs explosent et les barils qui sont foncés n'explosent pas. Malheureusement Venger a tout explosé, donc je ne peux pas réellement vous montrer étant donné qu'il n'y en a plus, je crois. Attendez, on va descendre. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour descendre le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que cette petite activité vous aura plu. Vous me faites tout savoir dans l'espace commentaire comme à chaque vidéo. Et donc vous voyez bien que sur ce baril, il est beaucoup plus clair que celui-ci. Il y a écrit, il y a une écriture dessus. Et écoutez, quand je tire dessus, je peux l'exploser. Et quand je tire sur celui-là, je ne peux pas l'exploser. Donc ça, c'est l'activité qui fait ça, c'est pas de ma faute si les barils n'explosent pas tous. Regardez, là il explose et les autres les autres n'explosent pas. Là je viens de détruire un baril de la station essence. Du coup je suis mort, mais bon, voilà, c'est vraiment une petite activité what the fuck en ce petit mercredi après-midi. Voilà, plutôt mercredi soir. Mais j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.